Bonsoir, merci d'être venu malgré le froid, malgré les virus, malgré tout. Votre présence est d'autant plus précieuse. Merci beaucoup. Donc, nous accueillons ce soir deux invités dont les travaux explorent la question des lieux, chacune s'engageant dans une démarche personnelle où la réflexion côtoie de manière étroite une approche sensible. Annie Mlet, photographe. Elle est diplômée de l'école de photographie d'Arles et docteur en arts plastiques de l'université de Strasbourg. Depuis une vingtaine d'années, elle réalise des séries photographiques qui s'inscrivent dans un rapport politique et poétique au monde. Comme elle nous l'expliquera, elle s'attache aussi au dialogue qui s'installe entre les images, notamment à travers l'édition et l'exposition. Ce goût et ce talent de mettre ensemble les images l'ont sans doute incité à créer avec Jean-Yves Guénier la Biennale de la photographie de Mulhouse, dont elle est la directrice artistique depuis 2013. Elle en assure la programmation et assure le commissariat de certaines expositions. La prochaine Biennale aura lieu en juin 2022, donc vous êtes tous conviés. Elle démarre à Mulhouse et dans d'autres communes de la région. Si tu veux nous en dire un mot. C'est ça, oh, j'en parlerai peut-être à la fin, mais oui, rendez-vous à Mulhouse en juin 2022. Annie Mlet enseigne par ailleurs à la Haute École des Arts du Rhin à Mulhouse. Je vous invite à regarder ses publications sur son site internet, je ne vais pas énumérer. Je rappelle juste l'ouvrage qu'elle a publié avec Corinne Maury, Les antichambres, dont il sera question tout à l'heure, et je peux citer aussi l'ouvrage publié avec Jean-Luc Nancy, Vire, également publié aux éditions Filigrane. Le travail d'Annie Mlet a été exposé dans de nombreux lieux. Ses photographies font notamment partie de la collection du Fonds national d'art contemporain et de la Staatsgalerie de Stuttgart. Là encore, je vous renvoie à son site internet pour plus de précisions. Et je remercie le photographe Bernard Plossu de nous avoir permis de nous rencontrer. Corinne Maury est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en esthétique du cinéma à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches portent principalement sur le cinéma contemporain, fiction et documentaire, et questionnent l'espace au cinéma, le lieu, le paysage, le territoire. Des notions donc qui nous intéressent particulièrement ici à la Cité de l'Architecture, et nous sommes heureux d'avoir des personnes comme vous deux pour évoquer ces questions qui... enfin, la représentation des lieux est quelque chose, ou l'utilisation des lieux, tout ce qui se passe à partir de manière sensible autour des lieux est une question qui est difficile à développer. Donc merci de la développer ici, chez nous. De très nombreux ouvrages et articles développent toute la richesse du travail de Corinne Maury. Je vous invite aussi à aller les découvrir sur Internet. Je cite simplement « Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain » publié aux éditions Hermann en 2018. Je renvoie aussi aux ouvrages publiés aux éditions Yellono comme « Habiter le monde »,« Éloge du poétique dans le cinéma du réel » ou « L'attrait de la pluie ». L'attrait de la pluie, c'est un très beau titre. Corinne Maury travaille actuellement à un ouvrage consacré à la marche au cinéma. Il sera publié d'ici un an et demi. Elle a par ailleurs réalisé plusieurs essais documentaires déployant dans ses films une forme de poétique anthropologique. Elle collabore au film du cinéaste Olivier Zuchuat. C'est comme ça qu'on... Oui, Zuchuat. Je vous renvoie donc aux productions des films de l'échangeur. Donc merci, je vous passe la parole et peut-être Anne, tu voulais dire quelques mots avant de démarrer la projection. Merci. Merci beaucoup, Aude. J'ai l'impression que c'est trop fort quand je parle. Non, ça va ? D'accord. Merci beaucoup, Aude, de cette invitation. Je suis, et merci à Corinne aussi,
d'avoir tout ce regard aussi sur mon travail photographique. Alors, on a prévu de vous projeter 4 séries de photos et de vous permettre aussi de les regarder à chaque fois séparément. Je voulais brièvement introduire les différentes séries que vous allez voir dans un ordre non chronologique. Pour vous dire que j'utilise la caméra moyen format pour enregistrer la vie, les traces de l'activité humaine. Au début de ma pratique, j'enregistrais ma propre vie. Je faisais des portraits de mes amis, simplement. Et par la suite, ma pratique s'est ouverte vers les différentes dimensions qui construisent un territoire. Il y a eu un mouvement partant d'une dimension autobiographique vers une approche plus sociale, environnementale, ou plutôt prenant conscience de son environnement, se mettant dans une intense relation avec l'environnement par le regard. Le regard qui construit, qui scrute, à l'instar du regard porté par Roquentin dans La nausée de Sartre. Je crois à ce regard qui construit grâce au cadre, grâce à la composition, ce regard vif qui ordonne, qui pointe, qui va pointer un élément du visible pour lui conférer différentes dimensions. Et ces dimensions-là, on va largement parler ce soir. Et je vous propose de regarder la première série, qui est une série qui s'appelle Les Jardins du Ristal. C'est mon travail le plus récent. Donc je vous propose de passer à la projection de ces images. Et on reprendra la parole après.
Alors, cette série, je l'ai commencée il y a une quinzaine d'années et elle fait l'objet d'un livre d'artiste accompagné de deux textes, un texte de Corinne qui vous en parlera juste après et un texte de Jean-Christophe Bailly qui est venu donc, sur le site des Jardins du Ruisstal situé à la sortie de Mulhouse en juin dernier. Donc, et je voulais aussi vous dire que cette série photo sera très prochainement présentée à la Galerie Madé au mois de mars. Alors, les jardins, juste pour vous rappeler, sont gérés par une association et chaque parcelle est louée à une personne ou à une famille qui doit s'engager à y cultiver des légumes, des fruits. Et donc, sur le site du Ruisstal, comme dans beaucoup de jardins familiaux, il y a une diversité de manières de gérer l'espace de son jardin. Et le plus souvent, chez nos voisins, c'est vraiment des espaces rationalisés, des espaces où il s'agit de faire pousser le plus de légumes possible, de mettre du gravier, d'autres matériaux, par exemple pour éviter ce qu'on appelle les mauvaises herbes, en tout cas les herbes indésirables. Et dans notre jardin, et lorsqu'on a pris la parcelle, c'était une friche, on le voit dans certaines photos, même si elles ne sont pas ordonnées de manière chronologique, et peu à peu, au fil du temps, les lignes droites sont devenues des lignes courbes et le jardin est petit à petit devenu un jardin en mouvement dans lequel les plantes, les légumes ont pu côtoyer les fleurs, les arbustes et dans lequel, en fait, sur cette parcelle et tout au long de l'évolution, il s'agissait aussi de pouvoir reconnaître différentes plantes et d'apprendre à les voir, notamment des plantes que j'affectionne beaucoup et qu'on peut voir au fil des images comme la bourrache, la prêle, les différentes orties, la consoudre, observer la décomposition du bois. Tous ces éléments-là, tous ces actes de vision, en fait, je ne les avais pas au début. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et j'ai voulu les enregistrer parce que dans cette observation, il y a finalement le travail du jardinier a beaucoup de choses en commun avec le travail du photographe dans l'observation. Et du coup, dans cette série, comme vous l'avez, alors il s'agissait aussi de montrer comment accepter comment les végétaux, les fleurs peuvent spontanément se déplacer dans ce jardin en mouvement à la manière de telle que théorisé Gilles Clément, mais du coup de le voir en acte et du coup de l'observer, de se demander qu'est-ce qu'on laisse agir et de recevoir aussi de ce qui advenait au fil des saisons, au fil du temps dans ce jardin. Alors il y a d'autres thématiques thématiques, j'aime pas tellement ce mot, mais en tout cas d'autres éléments dans cette série parce que c'est une série que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, mais j'ai fait la sélection en 2020. Je me suis replongée dans les archives et j'ai scanné les négatifs au moment du premier confinement. Et de ce fait, j'ai choisi beaucoup de photos prises l'été et beaucoup de photos qui relataient des périodes de l'enfance et dans lesquelles on voit mes propres enfants, des enfants d'amis. Et pour moi, cette série renvoyer aussi à ces moments heureux, on va dire, du temps passé au jardin l'été. Alors, bien qu'il s'agisse du jardin, on ne voit pas de personnes effectuant des gestes de jardinage. Ce sont plutôt ces moments d'observation, ces moments de flottement dans nos propres pensées que j'ai voulu montrer. Et donc, il y a une sorte d'imprégnation un petit peu vague qui peut se produire, qui se produit entre la personne et son milieu. Et cette imprégnation, elle peut être faite d'odeurs, de sons, de sensations. Et c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à rendre en photographie. Et j'ai choisi, j'ai une affection particulière pour le noir et blanc, parce que ça permet quand même aussi de créer une perception différente. Peut-être que ça permet plus d'aller vers l'imaginaire, l'onirisme. Et ça permet aussi d'aborder la manière dont le jardin est tramé par différentes temporalités.
S'occuper du jardin, c'est des gestes précis, semer, regarder les cycles de pousses, gérer le compost et voir aussi son évolution au fil du temps. Et cette forte relation à l'élément vivant, du végétal, des micro-organismes, permet, enfin, cette constante transformation nous renvoie forcément à la fugacité de la vie. Et pour moi, le jardin, c'est un parfait lieu pour observer le cycle de la vie et de la mort. Et cet usage, voilà, du noir et blanc pour cette série, comme certains gestes, comme la relation à la terre, ces gestes ancestraux de semer, ces gestes-là, pour moi, font ressortir aussi un rapport au temps. Néanmoins, tout ce qui se passe dans ce jardin comme microcosme, comme petite parcelle de monde, s'inscrit aussi dans d'autres multiples dimensions. Et il y a pas mal d'autres aspects dont je n'ai pas forcément parlé. Et je me réjouis de donner la parole à Corinne, qui a écrit un très beau texte que vous pourrez bientôt découvrir lorsque l'édition sera diffusée. Alors, moi, je vais peut-être prendre la parole pour revenir sur la question de la place des objets dans la série photographique, hein, qui ne sont pas n'importe quels objets, c'est-à-dire c'est pas les objets décorum dans les jardins d'agrément, mais c'est des objets, on voit la brouette, on voit une ancienne lessiveuse, et d'ailleurs, cette vieille lessiveuse, elle s'est transformée en une espèce d'incinérateur sans couvercle. Hein, et les cendres qu'on va en recueillir sont utilisées pour nourrir et vivifier le potager. Et ce que je trouve intéressant dans le travail du jardin, c'est que ces objets recyclés, en fait, ils ne connaissent pas la mort. Ils ne sont pas rejetés, ils sont peut-être usés, mais ils sont toujours là. Ils ne sont pas méprisés, ils sont conservés et récupérés. Et quand j'ai vu la série photographique, moi j'ai beaucoup, pendant plusieurs années, travaillé sur un cinéaste qui est très important pour moi, qui m'a remis dans le travail de l'écriture, c'est Jean-Daniel Paulet. Jean-Daniel Paulet, il a fait un film qui s'appelle Dieu c'est quoi, qui est une espèce de co-célébration en fait de la poésie de Francis Ponge. Et il y a des textes évidemment du Parti pris des choses. Et je suis retombée sur une très belle formule en fait de Solers, qui parlait en fait de ces objets pongiens comme des marbres hantés par la vie. Et je me disais que ces marbres hantés par la vie, en fait, le travail de Anne les tient en haute estime. Alors du coup, il y a évidemment la valeur d'usage de ces objets, parce qu'il y a une stature aussi. Il faut ranimer d'une certaine façon un peu les passages du temps. Et ces objets, finalement, sont des récits, en fait, des récits à la fois dispersés et ficelés dans le jardin. Et ce que j'ai trouvé assez fort dans la façon de positionner le geste photographique et de donner vie à ces objets, c'est qu'elle les fait voir en fait comme des forces coopérantes. C'est-à-dire qu'en lui passe et circule la vie organique en fait du jardin. Et s'opèrent aussi les métamorphoses, hein, la lessiveuse incinératrice, la cuve à puits, la brouette, les composteurs. Donc il y a toute une communauté d'objets qui travaillent à faire mûrir la vie du jardin. Et d'une certaine manière, dans cette façon de dévoiler aussi la vie des déchets, il y a une forme de continuum foisonnant que le geste photographique donne à sentir, donne à voir. Et il ne s'agit pas du tout de déconduire les résidus ou de les déclarer âme morte. On voit cette brouette à un moment donné avec toute cette pagaille d'herbes. Mais finalement d'honorer la matière organique qui est vouée en fait à une salutaire décomposition. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est on a souvent les images de jardin avec des couleurs flamboyantes, bien maîtrisées, presque avec des rangées un peu militaires quand on passe dans certains jardins où quelque part il y a une forme de paraître plus que d'être. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une façon de restituer, de valoriser poétiquement en fait le coupé et le dressé, qui sont jamais d'ailleurs en concurrence.
Justement, ils sont l'un et l'autre scellés dans le destin du jardin. Et là aussi, coucher, sectionner, ramasser, les végétaux, en fait, s'affirment comme des espèces de rebuts généreux. Et la photographie d'Anne, en fait, elle illumine, en fait, et jamais n'illustre ce compactage de restes, en fait, et elle restitue la dynamique d'une transformation à venir. Alors, là aussi, cette vie verticale qui se mêle à la vie horizontale et en fait, dans ce nœud aussi de temps, vient se sédimenter en fait la vie du jardin. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle dans le jardin des corps intermédiaires. Et du coup, ce qu'on montre jamais d'ailleurs, c'est tous les cycles de désintégration, de putréfication. C'est là aussi que la vie se réveille et qu'on reconduit en fait les poussières d'humus. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir dans l'écriture à revenir sur la question de l'herbe, parce que je suis un être de l'herbe aussi. J'ai passé une partie de ma vie et de mon enfance dans un petit hameau du sud-ouest de la France. Et avec mon frère, j'ai beaucoup marché en fait dans les champs et aux côtés des ruisseaux. Et en fait, quand j'ai rencontré cette série photographique, elle m'a aussi reliée à mon enfance, sans pour autant que je fasse dans l'écriture un rapport au portrait ou à mon autoportrait. C'était pas du tout le cas. Mais c'était revenir justement à cette question de l'herbe et dans cette façon aussi de voir que cette façon de l'herbe qu'elle se répand, elle exalte, elle part en tous sens. Et il y a une forme de tempérament en fait de l'herbe dans la photographie de Annie Mellet. Et d'une certaine manière, on sent que le jardin familial défie les mots d'ordre qui seraient coupés, ratissés, égalisés. L'herbe assume sa désinvolture. Elle fraternise avec les coins solitaires et les bords de route farouches. Et la photographie de Annie Mellet fait écho pour moi à un poète assez méconnu qui s'appelle Pierre-Albert Jourdan, qui a écrit un très beau travail poétique qui s'appelle « L'André dans le jardin ». Je vous lis juste cet écho mémorial de la voix de Pierre-Albert Jourdan. « Proche des talus, où la vie s'enfante librement, où des herbes clochardes, ne s'offusque pas de la promiscuité brouillonne. » Du coup, dans ce travail de l'herbe, et je vais donner la parole à Anne, il y a aussi cette idée que l'herbe, en fait, elle court, elle abonde dans des frontières et elle travaille. Et j'aime bien cette idée qu'elle obsède, en fait, et qu'elle hante les esprits nettoyeurs. Et moi, je ne vais pas le dire trop fort, mais en fait, je vis dans un lieu où, au fond, en plongée, comme ça, mon appartement est très haut, il y a une espèce de jardin, mais qui est un faux jardin, en fait, puisque le jardinier, il est toujours en train de couper, ratisser. Et du coup, ici, j'ai trouvé intéressant que le jardin, en fait, se glorifie d'un vivant qui résiste, qui remue, qui continue, et qui refuse aussi de comparaître de ce que j'appelle, en fait, des images qui seraient un peu le tribunal du beau, et que la question aussi un peu politique et poétique du travail d'Annie Mellet, c'est peut-être d'honorer, en fait, la pagaille végétale. Oui, c'est exactement ça. Enfin, il y a certaines, dans ce que tu as pu dire, notamment sur les herbes, je me rends compte qu'il manque quelques photos dans la sélection, mais des photos qui sont dans le livre, qui sont vraiment des fragments où on voit l'herbe en mouvement. Et dans la photo que vous voyez là, c'est un pêcher assez frêle, assez âgé aussi, enfin, qui a l'âge du jardin, en fait, il a 17 ans, mais avec l'herbe qui n'avait pas été tondue parce que c'était au printemps 2020, au moment du confinement, et j'étais plus retournée au jardin. Et globalement, c'est vrai que cette question-là du geste du jardinier qui vient ordonner et jusqu'où est-ce qu'on ordonne ou non, elle se pose à tous les niveaux, bien évidemment, dans le jardin qui est un art, qui est un des arts, mais aussi au niveau du simple ouvrier dans son jardin, puisque les jardins familiaux étaient avant nommés jardins ouvriers. Et on a, là dans les photos que vous avez vues, il y a principalement la parcelle qui est celle de notre famille, mais vous avez quelques autres parcelles où on voit ces fameux cabanons et où on voit comment chacun, finalement, a une recherche d'ornementation ou recrée son monde
idéal à l'échelle de sa petite parcelle. Et c'est vrai que du coup, dans cette parcelle de jardin, le monde idéal, c'est finalement ce retour du monde végétal, ce retour de ce débordement, constant de ce qui va pousser. Mais bien évidemment, le revers de la médaille, c'est que maintenant, quand j'y vais, il faut que je coupe tout le temps, parce que ça déborde de partout. Alors, on va, oui. Je voudrais juste vous lire, en fait, pour moi, ce que je pourrais. C'est quatre petites lignes comme ça, parce que dans le travail d'écriture, j'ai travaillé à la fois sur un texte et des petits moments comme ça, séparés du texte. Ne pas égarer la pêche ni la prêle dans l'univers du symbole, cadrer sans rehausser, souvent l'emblématique tourne à vide, saisir l'élan de l'instant, voir en un coup d'œil l'humilité de l'éclat et surtout considérer sans excéder. Et je pourrais dire que c'est le travail photographique d'Anne depuis que je la connais, donc depuis les antichambres pour moi. Et cette façon en fait d'avoir une attention et d'élargir le regard et toujours en fait de travailler aussi sur la question de la fragilité et de la vulnérabilité. Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose d'important de s'approcher comme ça à petits pas de la matière, d'écouter aussi le souffle de cette matière et de l'accueillir. Et je trouve que le travail photographique de Anne est aussi un travail d'accueil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de découper la vie, il ne s'agit pas de la diviser, il ne s'agit pas d'arrêter le sens, mais des fois aussi, il y a une forme de douceur brouillonne des choses et d'élire en fait l'allure des choses et des résidus. Voilà. Alors, du coup, dans cette série, juste dire que, alors, cette série des jardins sur cette parcelle de jardin familial, pour moi maintenant, cette série, elle est terminée. Par contre, je continue de travailler sur la question des jardins partagés et des actions liées à des jardins urbains, notamment dans la ville où j'habite, à Mulhouse, mais. Peut-être que dans le futur, je le développerai, j'irai dans d'autres villes européennes. Mais en tout cas, la question du jardin, c'est un sujet que je vais continuer de travailler, mais plus sur mon propre jardin. Voilà. Alors, la série suivante, c'est une série qui est hors de la ville, puisque c'est une série consacrée essentiellement au lac, mais dans lesquelles des images d'enfance viennent s'insérer. Et là encore, je vais vous proposer de regarder cette deuxième série et on en parlera après.
Alors, donc vous venez de voir plusieurs choses, puisque vers la fin, vous avez aussi vu des vues d'exposition. Je vais revenir sur tout cela. Alors, le corpus d'images qui vient d'être projeté mélange des sortes d'images souvenirs d'enfance avec des photographies de lacs ou de paysages, notamment dans les Alpes. Et en fait, ce travail, je l'ai initié, cette association d'images a été initiée pour l'exposition « Comme un souvenir » dans une fondation qui s'appelle la Fondation Ferney-Branca à Saint-Louis, à la frontière de Bâle, et en 2019. Et cette exposition m'a permis de mettre en circulation différents types d'images, certaines images qui sont un peu comme des images de mémoire, d'autres qui sont des phénomènes de présence, des témoignages de passage de l'éphémère aussi. Mais pour moi, c'était aussi, le point de départ de l'exposition, c'était de partir de on m'a invité à réfléchir à une proposition plastique à partir de l'univers d'Andrei Tarkovski. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de mes propres souvenirs de son cinéma, donc des images que j'avais pu garder en mémoire, et beaucoup étaient liées à l'eau. Donc la première partie de l'exposition mobilisait vraiment ces paysages naturels, les lacs vosgiens notamment. Et du coup, ce choix était en écho aux enjeux métaphysiques du motif de l'eau chez Andrei Tarkovski. L'eau, bien sûr, symbolise le temps, ce temps apparemment immobile, mais toujours en train de s'écouler. Alors, dans les photos, on retrouve beaucoup les nappes d'eau dormantes, parfois gelées, qui sont des symboles de permanence, d'enfoncement dans le temps. Et on a aussi régulièrement des personnages qui viennent faire irruption dans ces scènes, qui sont soit concentrés qui sont dans leurs propres pensées, ou qui sont des personnages de dos. Donc ces personnes, c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à procéder à l'insertion de photos pouvant renvoyer à l'enfance notamment. Et une série de photos, dont celle-ci fait partie, que je suis aussi allée travailler en chambre noire en réalisant moi-même les tirages argentiques. Et pour moi, cette période, ce temps passé dans le laboratoire est important aussi, parce que c'est aussi une manière de penser les photographies en étant aussi dans un hors-temps, en étant dans l'obscurité, en passant du temps à voir l'image en négatif, puis en positif, la voir se révéler. Et tout cela, c'est des strates de temporalité aussi, ou des gestations de l'image. Et dans toutes ces photos-là, alors Corinne en parlait un petit peu avant, mais la question presque d'une hésitation, mais en tout cas de vouloir une image qui se situe entre plusieurs possibles, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et dans mon premier livre, Vire, dont il n'y a pas de photo ce soir, mais j'ai emmené un exemplaire du livre, j'avais eu la grande chance de travailler avec Jean-Luc Nancy, qui a écrit le texte sur les photographies du livre, et notamment sur certaines photographies de lac. Et dans son texte, il a aussi écrit un texte sur cette photo-là, du lac Blanc, un texte qui s'appelle « L'approche ». Et pour Jean-Luc Nancy, la manière qu'il a eue de parler de mes photos, c'est de parler de lumière étale et du moment de l'étale. À ce propos, je vais vous lire un petit extrait du texte qui est dans le livre « Vire » paru aux éditions Filigrane. Il y a des photographies qui procèdent du choc, d'autres de l'approche et d'autres du recul ou du retrait. Ces images sont de l'espèce étale. La capture et l'inscription de la lumière ne s'y font ni au flux montant ni au flux descendant. Ce qui survient alors, c'est que rien ne survient. Rien en ce sens précis où l'on dit un rien. La chose infime qui se distingue simultanément du néant et de l'être. Un suspens, une indécision entre une chose et une autre, entre partir et venir.
Plus loin, Jean-Luc Nancy écrit « Car il y a de la menace, à tout le moins possible. Ces photographies ne sont pas tranquilles. Elles sont à la fois paisibles et inquiètes. La lumière poudreuse qui monte des choses, de leurs ombres et des espaces entre elles, dépose sur nos yeux moins des aspects que des soupçons, moins des vues que des conjectures, portant des suggestions ou des allusions vers rien de clairement identifiable. Sur un mode singulièrement précis et ténu, bien loin de prétendre reproduire le réel, un réel, ces photos soulignent leur phénoménalité. Elles livrent des apparences, non des apparitions. Elles caressent des fumées, des rêveries, des leurs. » Et effectivement, enfin, cette dimension de phénomène, de rechercher quelque chose, enfin, ce transitoire, ce fugace, mais aussi un état entre deux sensations, passe beaucoup par la lumière et par la lumière qui, comme phénomène, et qui nous permet de nous relier à cette sensation intime, fluctuante parfois du passage du temps. Plus loin dans son texte, Jean-Luc Nancy parle aussi de la question de ce qu'il se passe, de ce qu'il se passe entre deux instants, entre deux moments, et à la question du glissement, du passage. Et je pense que mon intérêt pour le transitoire, l'éphémère, les nuages qui sont présents dans ces photographies de lacs ou de paysages, et qui étaient encore plus présents dans mes photos plus anciennes, vient aussi de quelque chose du mouvement, du transitoire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la manière que j'ai d'associer les photos, notamment dans l'espace d'exposition où il est assez... dans l'espace du mur blanc, enfin, sur le mur blanc, on peut reproduire cette sensation du mouvement et de la circulation entre les images. Dans le livre... on est souvent dans des relations beaucoup plus dialectiques, beaucoup plus binaires. C'est quelque chose que je trouve plus difficile. Pourquoi plus difficile ? C'est pour ne pas tomber dans quelque chose qui soit purement narratif, purement formel. Et ce sont des questions qui sont posées pour chacun des livres et des antichambres aussi, dont on va parler avant. Alors, bon... Le travail d'une série des jardins à cette question du paysage, elle est intéressante parce que tout à l'heure, Anne, elle prononce le terme de narration. Et moi, ce que je trouve important dans son travail, c'est que le sujet ou le thème est introuvable. J'aime bien cette idée aussi au cinéma de ne pas avoir à trouver le thème en fait dans un film. Donc il y a quelque chose un peu d'une façon un peu interstitielle comme ça de dire plutôt que de raconter. Et pour moi, ces photographies aussi, elles disent une forme d'humilité, que ce soit dans le jardin, qui est un espace, un coin, un paysage miniature, à ces paysages qui prononcent aussi une forme et une force de monumentalité. Et il y a évidemment la question aussi humaine et de sa dimension, c'est-à-dire qu'on est là aussi dans des rapports de proportionnalité. Et je trouvais intéressant que tu photographies aussi les gens de dos. Parce qu'en fait, je me dis, chez Stroh aussi et chez Starkovsky, il y a une forme aussi de méditation comme ça avec le personnage de dos. Et peut-être pour parler de l'eau. Alors, moi, dans mon livre sur la pluie, en fait, j'avais élu comme ça trois cinéastes de la pluie. Il y avait Bélatar, Tarkovsky et Kurosawa. Et Bélatar, quand il parle de Tarkovsky, alors qu'on a deux filmographies intéressantes, parce que pour moi, c'est comme deux frères opposés, en fait, dans leur travail cinématographique. Il dit, en fait, chez moi, il parle de lui, donc Bélatar, dans mes films, la pluie, elle est sale et boueuse. Et chez Tarkovsky, en fait, elle lave les individus. C'est une pluie qui est pure. Et dans le travail comme ça de l'eau, chez Anne, ce qu'on peut voir, pour moi, ce qui est intéressant, c'est cette manière peut-être de revenir aussi à une forme d'humilité devant des paysages en fait qui nous arrêtent. Alors Jean-Luc Nancy parle d'approche et devant, c'est pas le côté grandiloquent, c'est le grandiose du paysage, de la puissance en fait du paysage. Et s'arrêter, ça veut dire à un moment donné accepter, accueillir, respecter.
respectés, sacralisés. Et chez Tarkovski, les personnages tarkovskiens, que ce soit du miroir au sacrifice, Tarkovski, en fait, il a semé dans son travail une manière aussi de sacraliser la nature. Et l'eau, c'est pas n'importe quel élément. Chez lui, c'est une matière passerelle, c'est-à-dire que c'est toujours en train de relier aussi une terre perdue, qui est la Russie, à sa terre d'exil. Donc, elle a évidemment, cette eau, un rapport très fort à la mémoire. Et que ça soit, je pense au stalker, parce que chez toi, il y a des personnages en marche. La marche, en fait, elle n'est pas une épreuve, et y a un anthropologue qui dit marcher, c'est se mettre en congé de son histoire. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois que marcher, c'est se mettre en lien avec son histoire. C'est pour moi tout le contraire. C'est sentir la présence des choses, c'est sentir la présence des éléments. Et dans cette façon d'être avec les éléments, il y a une façon aussi de réintérioriser en fait son propre récit. Et ce que je trouve important dans cette façon de mettre en rapport en fait l'humain et le paysage, c'est de créer un lien en fait. Et le lien chez Imelé, que ça soit depuis les antichambres jusqu'au jardin, c'est aussi la manière que le paysage fait lieu, c'est-à-dire à un moment donné, le paysage, c'est pas qu'il nous appartient, mais il est un lieu à un moment donné pour nous, parce que on va d'une certaine manière, s'infiltrer à l'intérieur, on va l'apprivoiser, on va le considérer comme quelque chose à soi. Et ce que je trouve intéressant dans le travail ici de l'eau, c'est aussi la question des frontières et des bordures. En fait, dans le travail photographique, c'est pas facile au cinéma, c'est comment marquer des seuils. Qu'est-ce que c'est qu'un seuil ? C'est peut-être pas... une manière de passer de l'autre côté, mais c'est se dire que dans les deux rapports spatiaux comme ça, l'un et l'autre, que ce soit la terre et l'eau, sont comme des corps en fait qui se nouent les uns aux autres et qu'il n'y a pas forcément une opposition. Il y a une différence, et que c'est par la différence aussi que se construit en fait une relation. Et c'est pour ça que moi j'ai aussi accepté d'écrire sur le travail photographique de Anne, parce que voilà, elle résiste à la thématique, elle résiste à la hiérarchisation des signes. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe, c'est-à-dire de ne pas tout le temps penser en fait le rapport à l'image, comme aussi un rapport d'un faux lyrisme ou un rapport d'une fausse contemplation. C'est-à-dire qu'il y a une expérience vécue du paysage dans ces photographies. Je vous propose de continuer. Ah oui, alors du coup, oui, quand même revenir sur les vues, un peu sur les vues d'expo avant de passer à la prochaine série. Donc ça, c'est... Donc, je voulais quand même si la projection, c'est important en tant que tel, que vous puissiez aussi... Alors, oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, bien évidemment, les images sont projetées. Quand on est photographe, c'est souvent un petit peu difficile, ce rapport à la projection, parce que le rapport à la matérialité de l'image, à son impression dans le livre ou lors de l'exposition, est quelque chose d'important. Alors, j'espère que dans cette projection, au moins dans les noirs et blancs, il subsiste quelque chose un peu du grain d'argent, enfin du grain de la photo argentique, même projetée. Néanmoins, dans les photos couleurs, c'est parfois un petit peu plus difficile. Mais il me semblait important, au sein de la projection et de la séquence, de la succession des images, qui apportent du coup une compréhension différentes des photos par rapport à la... puisque c'est une succession et non pas une simultanéité, il me semblait quand même important, à un moment donné, de vous montrer des vues d'exposition qui, justement, permettent la simultanéité et le cheminement du spectateur de manière différente à travers des photos qui ne sont pas toutes au même format. Donc, dans la projection ou parfois dans les livres, je peux choisir d'avoir le même format, mais là, dans l'exposition... justement, le format de chaque image vient créer aussi, non pas une hiérarchie, mais un cheminement ou un cheminement différent, une attention différente en fonction des images.
Et donc c'est pour ça que je vous ai quand même amené ces vues d'exposition où on voit aussi que parfois je peux avoir recours à des photos encadrées sous passe-partout, mais c'est pour mieux faire un pas de côté aussi par rapport au classicisme que ça peut avoir. Donc là c'est l'exposition à la Fondation Ferney-Branca où il y a à la fois, alors c'est un peu pour vous annoncer la suite, puisque il y a là des photos qui sont dans la série Les Antichambres. Alors, parce qu'en fait, l'exposition m'a permis de remélanger mes différentes séries. Et cette photo-là, la jeune fille rousse, c'est une photo qui est dans Les Antichambres. Et comme on va vous montrer juste après, on va vous proposer de regarder quelques photos de la série, mais celle-ci n'y est pas. Donc on va faire un peu une petite introduction aux antichambres en parlant de cette photo, de ce portrait. Alors simplement pour vous dire que j'ai vraiment commencé la photo par le portrait. C'était vraiment pour moi ce qui m'a menée vers la photographie, la fascination des visages, le rapport à l'autre dans cette présence qui pour moi, je l'espère, dépasse quelque chose qui serait de l'ordre de l'image offerte ou de l'apparence versus l'intériorité. Enfin, ce type de dialectique ne m'intéresse pas forcément. Par contre, enfin voilà, ça c'est un peu pour vous annoncer cette série. Cette photo, elle est toute seule ici, et c'est peut-être c'était pas prévu. Et je pense que c'est aussi parce qu'elle a presque un acte manqué, parce que c'est une photo très importante pour moi, prise à Stuttgart, lorsque j'étais en résidence. Et c'est une photo c'était une journée, comme j'étais en résidence, parfois on se sent obligé de faire des photos et de ramener des photos. Juste vous dire que pour moi, la photo, c'est pas la chasse, c'est pas le tir, c'est plutôt l'accueil, le fait de recevoir. Mais ce jour-là, c'était un dimanche de Pâques, je marchais dans Stuttgart en me disant « il faut que je fasse des bonnes photos, il faut que je ramène des photos ». Et j'étais dans un parc. Et je n'osais m'approcher de personne. Du coup, parce qu'en fait, en tant que photographe, j'ose très peu aller vers les gens, les photographier. J'ai photographié le dimanche dans la rue le matin pour que personne ne me voie avec mon appareil photo. Et du coup, pour cette photo, je me disais vraiment, ben voilà, mais ça va pas du tout, tu fais pas d'image, finalement c'est fichu, tu n'es pas dans ta famille parce que tu es censé faire des photos et tu ne fais rien. Et bref, cette jeune fille est apparue et elle était véritablement comme ça. Et j'ai simplement me demandé à la photographier et elle est restée telle qu'elle était. Et voilà, donc finalement quelque chose est advenu et cette photo a pu se faire et c'est resté une de mes photos fétiches pendant très très longtemps et je sais que Corinne a eu beaucoup de plaisir à écrire sur cette photo. Alors cette photo, moi quand je l'ai découverte, j'étais assez étonnée parce que j'ai travaillé, moi, il y a très longtemps de ça, sur le cinéma de Karl Theodor Dreyer et de Bresson. Et pour moi, c'était un peu ce que je trouvais fort aussi dans le travail des antichambres, c'est que cette photographie, en fait, c'est comme si elle déstabilisait complètement l'homogénéité de la série. Et j'aime bien cette idée de déstabiliser. Donc je vous lis ce que j'avais écrit à l'époque. « Un visage taché d'automne, un regard de face qui se retire, tel un acte de foi. » L'enfant se tient sérieuse dans ce portrait, presque détachée, sa force nous regarde posément. La jeune fille rousse griffe sa cape, les mains serrent chaque bord du tissu, se touche et s'offre dans un geste hiératique. La cape recouvre la tête, enveloppe la chevelure qui s'absente comme par pudeur. Un portrait réfléchi, tombé dans la loge éternelle du temps. Un corps affranchi des récits du paraître moderne. Animelé nous livre un portrait ancien d'aujourd'hui. Ancien, ce n'est pas vieux. Ancien, car il vient de loin et remonte de la réserve du temps. Tel un aveu sacré, ce portrait se dérobe à l'empreinte de l'écoulement.
Il se moque d'appartenir à l'époque, un portrait comme une aube sage. Bon, je vous propose de regarder la série Les Antichambres maintenant. Alors, peut-être que on pourrait commencer sur la question de ces espaces, en fait, qui sont vierges de récits. C'est cette question aussi d'espace un peu empilé, cette accumulation, cette question du même, en fait, la réplique du même. Donc, la question de l'habitat fonctionnel. Et moi, quand j'ai travaillé, à l'époque, je donnais des cours, hein, et je travaillais sur le cinéma aussi de Debord, et on sait peu aussi que de Debord a écrit des textes sur la ville, et il parlait en fait de l'habitat, et notamment de tous ces habitats qui se répliquent et qui font du même, ce qu'il appelle des habitats fonctionnalistes, extrêmement technicistes. Il les nomme en fait casernes civiles. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux trajectoires, à la fois des antichambres et de oubli-oubli, sur les antichambres, on est beaucoup en fait sur la question de l'habitat, sur la question évidemment de ce même en fait qui fait qu'on n'arrive pas à s'établir dans un ici. Il y a quelque chose toujours qui est dans un espèce d'ailleurs qui n'est pas d'ailleurs habité. Et le portrait, en fait, c'est lui qui va donner la dimension humaine de l'ici. Et ce que je, dans le travail du portrait, ce que fait Anne, dans cette question aussi du portrait, elle fait un peu comme Ackermann, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de frontalité. Elle se place face à l'autre, face au temps, et elle dépasse aussi le portrait en fait comme attitude, comme information physionomique, quelque chose d'une présence réflexive.
Et le portrait, en fait, d'une certaine manière, humanise en fait l'espace derrière lui, il lui donne une contenance. Alors peut-être que tu pourrais un peu plus de nous parler de cette question de ces habitats, c'est-à-dire que c'est comme des angles morts, c'est des façades en fait, des façades d'attitude, elles ont c'est des formes de muralité qui sont inquiétantes parce qu'on a l'impression que la vie s'y est absentée et pourtant la vie est là. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en fait d'un espèce de miroir du dortoir comme ça communautaire? Où on sait évidemment que moi je suis d'ailleurs Aude m'avait, quand elle m'a présenté, elle avait marqué Corinne Maury au Mirail et maintenant ça a été renommé Jean Jaurès, le quartier où je travaille. Et il y a un peu cette idée aussi de montrer en fait ces étapes parce que justement se loger, est-ce que se loger c'est habiter? Peut-être il faudrait que tu nous dises un peu comment la photographie elle restitue en fait cette question de l'écart. Et que dans Oubli-Oubli, en fait, on va être vraiment aussi dans une façon de désigner les manières d'être à l'espace des familles, des individus. Et là, c'est comme si le portrait faisait écran, en fait, d'un manque ou d'un espace, en fait, qu'on n'arrive pas à trouver le lien tellement l'absence est présente, en fait, par la force puissante, en fait, de ce blanc, de ce vierge de récit. Oui, alors là, vous n'avez pas encore vu la série suivante qui s'appelle Oubli-Oubli, qui est mon travail, un des travaux les plus récents qui concerne un quartier de Mulhouse qui est en cours de démolition. Donc vous le verrez juste après, mais effectivement, autant dans mon dernier travail, je me suis beaucoup attachée à la dimension humaine et aux personnes qui habitent. Dans ce travail-là, les antichambres, qui est un travail qui s'est fait sur une période assez courte, de 2-3 ans, avec donc un questionnement qui portait beaucoup effectivement sur les espaces urbains et sur la possibilité du vivre ensemble ou du comment vivre ou s'approprier certains espaces qui peuvent nous apparaître comme étant extrêmement hostile. Et pour ce faire, j'ai notamment fait pas mal de photos dans des quartiers qui venaient d'être construits. Donc c'est le cas dans cette image-là, puisque c'est tout neuf, l'arbre vient d'être planté, chaque chose est bien à sa place. Alors il y a d'autres photos qui sont dans ce cas-là, ben, les jeunes filles aussi qui dansent, c'est dans ce quartier donc où vraiment très peu d'habitants y avaient déjà emménagé. Et effectivement, comment s'approprier ces espaces-là pendant cette période, je travaillais déjà aussi bien sûr, enfin là, les photos de lac, les photos que je peux faire. Dans la montagne, c'est quelque chose qui traverse tout mon travail. Et l'attention aux éléments naturels, notamment à l'eau, aux nuages, est quelque chose qui traverse tout mon travail. Et là, j'étais dans une période où aussi je me posais des questions sur comment travailler, où est-ce que je fais des photos. Et je faisais beaucoup de photos sur mes trajets quotidiens et sur les espaces que j'allais traverser sans les avoir forcément choisis ou choisis parce que je les traversais de manière quotidienne. Et du coup, cette question de l'expérience commune, du partage possible dans des espaces plus ou moins conviviaux, plus ou moins, enfin, c'est quelque chose qui me travaillait, sur lesquels je ne mets pas forcément des mots de manière appuyée, puisque finalement ma manière de m'exprimer, c'est par les photos que je vais le traduire. Et du coup, il y a dans cette série là, oui, juste dire que c'est pas, ben les photos sont faites aussi donc à travers ces parcours quotidiens, par exemple. Ces deux immeubles qui ne sont pas dans ma ville, mais dans une ville où je me rendais souvent. Je me suis arrêtée un jour parce que j'ai vu cela par la vitre de ma voiture et j'ai fait cette image.
Et depuis, à chaque fois que j'y passe, je pense au jour où j'ai fait cette photo et je me rends compte que à chaque fois que j'y passe, il y a des signes de vie. Il y a des vitres qui sont ouvertes avec du linge qui sèche. Il y a toujours des choses qui viennent perturber. Et vu que je n'utilise pas Photoshop pour enlever des détails comme un certain Thomas Roof, comme je n'homogénise pas mon visible en le manipulant et que je pars de ce qui existe, finalement, ce qui m'a frappé là, c'est cette idée d'enfermement pour le coup et de petites cases ou en tout cas d'espace imparti à chacun. Et bien sûr, dans cet enregistrement photographique, il y a une dimension picturale, puisque forcément j'ai tout de suite pensé à Mondrian lorsque j'ai fait cette photo. Du coup, finalement, ce travail-là, je le décrirais presque comme être dans un milieu hostile, en transformation. Cette photo-là, elle est prise au cœur de Mulhouse, dans un quartier qui a été construit après-guerre, et qui maintenant a beaucoup changé parce qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Enfin, là, c'est un quartier qui était vraiment très ingrat, avec beaucoup de béton, une architecture très fonctionnaliste. Et effectivement, là, quand j'ai fait cette photo, bien sûr, c'est à la fois l'intrication des différentes strates de construction, mais c'est d'avoir ce petit espace avec les herbes. Donc, en fait, je pense que c'était déjà cet espace poétique ou ces herbes interstitielles qui m'attiraient ou qui étaient peut-être le premier sujet de la photo, sachant que ce livre et cette série a été publié en 2009. Donc c'est un travail qui a déjà une dizaine d'années. Alors moi j'aimerais bien revenir sur ces images de la séquestration, comme tu dis, parce que dans ton travail, certains photographes vont d'une certaine manière radicaliser cette séquestration, et toi tu te places aussi toujours un peu sur les bords, sur la marge, sur les côtés, que ça soit l'herbe là qui montre quand même qu'il y a du vivant, hein, on n'est pas simplement dans une dans du béton qui serait complètement figé et mortifère. Hein. Il y a quelque chose, évidemment, du vert, là. Et les portraits aussi, je trouve que c'est... peut-être revenir sur les portraits, c'est-à-dire cette présence du portrait, être devant, voilà. Et cette question aussi du temps dans les photographies, parce que ces portraits, il y a l'enfant, il y a l'adolescent. Moi, je me rappelle quand j'ai écrit, j'avais écrit sur la petite boucle d'oreille là, de cet enfant qui devient un adolescent et qui a un visage un peu poupin comme ça. Et donc le portrait, en fait, il donne un mouvement, une architecture qui est quand même presque pétrifiée en fait, hein, pétrifiée de lisse. Hein, il y a quelque chose comme ça d'une esthétique de la pétrification et avec une lumière comme ça très blanche. Mais l'attitude du portrait... là ici évidemment le mouvement, hein, la façon de se courber, c'est la photographie en fait capte le mouvement de l'énergie en fait de la vie et elle donne en fait à l'espace ici une dimension évidemment d'habitation, c'est-à-dire être là dans un espace et il s'y passe quelque chose, c'est-à-dire on est bien ici. Et moi ce que j'aime dans le travail de cette photographie, c'est qu'elle nous rappelle à ici, à être maintenant, donc il y a quelque chose du présent. Et pour autant, sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y a une photographie en fait qui fait toujours un mouvement entre les deux, cette espèce de présence, comme sa sensation du portrait, une espèce de force poétique. Et le politique, il est derrière. C'est pas qu'il est caché, c'est pas qu'il est en retrait, mais c'est que la photographie, en fait, on dit souvent, en quoi il y a du politique. J'ai envie de dire, dans les photographies d'Imelay, il y a du politique aussi dans la question du rythme. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ces images fonctionnalistes, technicistes, de logement, où il y a quand même cette idée d'entassement, cette idée fonctionnaliste, comme tu l'as dit et comme je l'ai dit, mais au-delà de ça, il y a des gens qui vivent là.
Il y a des gens qui ont un rythme de vie, qui a un quotidien. Et ce quotidien, en fait, on le voit aussi dans les antichambres par la question, en fait, des débris qui peuvent y avoir au sol. Hein. À un moment donné, le livre, en fait, il est ouvert par un débris. Il se termine aussi par ces formes comme ça un peu insignifiantes qu'on retrouve. Toujours chez toi, regardez aussi le sol, regardez devant, hein, et regardez par terre. Donc cette question du sol, en fait, elle te préoccupe. Et le sol, c'est évidemment aussi quelque chose d'important parce que on pourrait avoir l'impression, en fait, dans les antichambres, qu'il y a comme une idée aussi du terrain vague, en fait. Et le terrain vague, c'est comme une zone un peu on ne sait pas où on est, en fait, si on est là-bas, si on est ici, si on peut passer, si on s'est interdit. Et du coup, cette présence humaine, elle est intéressante parce qu'elle passe aussi, cette présence humaine, par... Dagonet disait, en fait, que dans notre façon d'effectuer des trajectoires, on laisse une forme de yélétique. Et le contemporain, en fait, a beaucoup été défini, notamment par Agamben, comme la question de l'anachronisme. Et moi, je me méfie un peu de ça. Je pense que être contemporain, c'est pas forcément être en déphasage avec le temps ou avec son temps. C'est aussi un peu plonger dans son temps. Et plonger dans son temps, ça veut dire aussi récupérer, en fait, les choses de peu, les choses sans drame, en fait, les choses du quotidien. Et ces choses du quotidien, elles peuvent avoir aussi une qualité laide, hein, et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans la photographie. C'est pas toujours aller illustrer, en fait, comme tu dis, une belle image. En fait, l'image, c'est justement aller chercher ce qui fait vie. Et des fois, ce qui fait vie, bah, c'est des moments de vide, c'est des débris, ce sont des traces, ce sont des témoignages. Et c'est aussi ça, être au présent des choses et au présent de sa vie. Et moi, je voudrais dire aussi que le travail photographique depuis 15 ans d'Anne, il est aussi une éloge du quotidien. Et le quotidien, c'est pas... c'est aussi les habitudes qu'on peut avoir dans une manière de marcher, de prendre une rue, faire une forme d'odologie, c'est-à-dire pas toujours prendre la rue de façon dans un sens de rentable du temps, mais dans un sens qui fait sensation à soi. Et cette question de la vie quotidienne, elle est importante parce que je pense que le rythme des gens, je crois que le cinéma le nomme, hein, par exemple dans le cinéma de Bélatar, les premiers films de Bélatar, c'est aussi cette question du quotidien. Chez Ackerman, cette question du quotidien, elle est très importante. Et moi, je travaille beaucoup sur ça, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on s'empare de notre quotidien, qu'on le partage, qu'on le dialogue, hein, qu'on le questionne, mais qu'on l'efface pas ou qu'on le lyrise pas aussi. Je me méfie beaucoup d'une politique un peu lyrique en ce moment. Je pense qu'il faut faire front et faire face. Et que c'est aussi peut-être les choses qu'on qualifie qui sont peut-être anodines, qui ont peut-être une place moins centrale. Moi, j'aime bien, en fait, mettre la marge au centre. Et ce que je trouve intéressant dans le travail de Anne, dans la façon de filmer les jardins, dans la façon de filmer, justement, les banlieues, c'est de mettre la marge au centre. C'est par les marges aussi qu'on va peut-être sortir d'un enlisement. Voilà. Alors, tout cela, enfin, je pense que tout ce que tu viens de dire est valable. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui sont présentes dans le travail donc, qui s'appelle Oubli-Oubli. Et je vais vous proposer de vous montrer ce travail-là qui est dans la continuité, avoir vraiment dans la continuité avec les antichambres parce que finalement, le quartier nouveau que j'ai photographié pour les antichambres est juste à côté du quartier... appelé le nouveau Drouot, qui est en cours de démolition. Enfin, c'est presque totalement... les images que vous voyez, les bâtiments aujourd'hui ont quasiment totalement disparu. Donc je vais vous laisser voir les images.
Quand tout à l'heure on parlait de l'habitat et cette façon de passer de l'habitat à l'habité, effectivement, les antichambres, on était avec un travail de construction et on sentait que dans cette construction, il y avait cette question du lisse, du propre. Et là, ce que fait Anne, c'est qu'elle revient aussi sur des quartiers, évidemment. Moi, il y a une photo que je trouve absolument incroyable. C'est le garçon là qui est debout avec les murs. C'est une photo qu'il faudrait placarder partout aujourd'hui. Parce que justement, elle dit... il est en hauteur et il prend de la hauteur. Et c'est comme s'il disait justement à cet espace que c'est comme s'il disait quelque chose à cet espace. Je suis là et je suis presque fière. Et moi j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle elle résiste à tous les clichés qu'on a pu avoir sur la banlieue. Et il y en a eu beaucoup au cinéma, en photographie aussi, beaucoup dans les actualités. Zone de non-droit, zone paumée, zone sale, zone souillée. Et là, il y a quelque chose de la photo qui nous dit qu'il y a évidemment une histoire, il y a une vie. Et j'ai trouvé très beau aussi toute la question des mains, en fait. Pour moi, il y a une notion de fraternité, de dignité dans Oubli-Oubli. Ces mains, en fait, qui se touchent, ces mains qui se prennent, ces corps, en fait, qui se disent comme des petits secrets. Et l'espace, il est là. Il y a des miroirs, il y a des choses abîmées. Mais on est là, on vit. Et on vit au quotidien. Et donc, c'est pas une photographie qui déclasse, c'est pas une photographie qui désigne ou qui même dénonce. C'est une photographie encore qui annonce une forme d'hospitalité. Et une forme d'hospitalité dans quelque chose, pour autant, où on a eu quand même beaucoup de discours, même de discours idéologiques extrêmement violents. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que ces photographies, elles soient échangées, elles soient partagées, parce qu'elles elles disent en fait que la banlieue, il faut qu'on soit avec la banlieue, il faut qu'on soit pas à côté, mais qu'on soit là, et qu'on la considère aussi comme un espace à vivre, et un espace qu'on doit pas mettre justement dans la marge. Hein. Pasolini l'avait dénoncé en son temps, avec ses premiers films, et je pense que le travail politique là de Anne, c'est peut-être de revenir à cette question d'un rythme, en fait, de cette banlieue, de ces quartiers, de nous donner aussi des formes de générosité, en fait, des visages. Et cette question de la générosité, dans l'expression, elle dit aussi une vie. Hein. Qu'est-ce qu'une vie, en fait ? Qu'est-ce qu'une vie ? Qu'est-ce qu'une vie ici ? Donc moi, je pourrais en parler longtemps, mais ça fait écho aussi à cette question de fraternité, de dignité. Et je crois qu'il y a trois mots comme ça qui sont pas des mots d'ordre: fraternité, dignité, humilité. Et les photographies, en fait, elles remplissent un peu cet état d'existence, en fait. C'est-à-dire que quelque part, la photographie, c'est aussi une expérience vécue. Et ce que je vois, Anne, dans son geste photographique, c'est qu'elle le voit aussi comme une expérience vécue. Le regard n'est pas traversé chez elle, il part toujours d'un ancrage. Et dans l'ancrage, évidemment, il y a aussi une manière d'être en face l'autre, quoi, et de le considérer. Alors, donc par rapport à ce travail que j'ai fait pendant à peu près 2 ans, dans un quartier construit après-guerre, habitat fait à la va-vite pour loger un maximum de monde, 240 logements, et donc ce programme de démolition. Et donc dans l'édition, dans le livre que vous pouvez consulter après, hein, j'en ai emmené un exemplaire, j'ai donné la parole à 2 habitants du quartier, et moi-même je n'ai pas souhaité accompagner les photos de texte, mais pourtant j'avais écrit un journal photographique, et en préparant
cette projection, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous lire quelques passages de ce journal, parce que ça montre un petit peu l'évolution et l'évolution voilà, de ce travail au fil des semaines et des mois. Donc je vais vous lire des très courts extraits, ne vous inquiétez pas. Alors, 3 avril 2019, intrusion. On n'entre pas dans le quartier, encore moins avec un appareil photo, encore moins au moment où un plan de démolition est annoncé. Incompréhension, infantilisation, sentiment d'abandon, profonde colère sont les premiers mots que j'ai entendus concernant la réaction des habitants. Ce qui frappe en premier lieu est un sentiment d'appartenance fort au nouveau Drouot. Certains habitants ne souhaitent pas être relogés ailleurs, ils jugent que c'est moins bien qu'ici. Ce quartier, c'est chez eux, surtout ce n'est pas leur décision de partir. 25 avril 2019. Photographier dans le nouveau Drouot signifie s'intéresser à la situation urbanistique et humaine de ce quartier et en cela témoigner du devenir des constructions édifiées dans l'immédiat après-guerre. Simultanément, la photographie me permettra-t-elle de montrer la manière dont les résidents habitent ces lieux, comment ils se les approprient. 10 mai 2019. Mes premières photos. Je découvre un lieu en suspension, déjà à l'état de vestige, voué à une totale disparition. J'y prends l'une de mes premières photos, le casque d'une moto qui apparaît tel un totem sur le mât cassé d'une ancienne caméra de vidéosurveillance. 16 mai 2019. Suite à l'annonce des destructions, les déménagements sont allés très vite. Dans le bâtiment du 23 rue de la Navigation, seuls 2 appartements sont encore habités, dont celui d'Aïcha. Il est possible d'entrer dans tous les appartements, car les portes ont été défoncées. Majoritairement vides, les éléments de décoration, les aménagements intérieurs donnent des indices sur les anciens occupants. Le 25 est déjà totalement inhabité et muré. Je ne l'aurais jamais connu autrement. 9 juin 2019, photographier la rue comme un huis clos. 19 août, les appartements des rez-de-chaussée et des premiers étages sont systématiquement murés, le rythme s'accélère. Tôt le matin, un jeune adolescent est assis sur un canapé en cuir installé devant le 19. Des ouvriers viennent faire des diagnostics amiante. Les corbeaux sont présents à 7h matinale. Le quartier apparaît vide et désolé, condamné comme ses appartements vidés et murés. 21 août. Dans l'ancien parc, plusieurs habitantes se racontent à une journaliste. Pour K, une résidente depuis 27 ans au Drouot, ici, c'est un petit Texas, je ne laisse jamais mon fils descendre chercher quelque chose dans la voiture tout seul. Elle ajoute pourtant, le quartier, c'est une famille, on veut nous séparer. Pour Yanis, 13 ans, que vous voyez sur cette photo. Ici, c'est exceptionnel. On est ensemble depuis petit. On ne veut pas être oublié. Si on détruit le quartier, on ne veut pas que Drouot, les oubliettes, soient oubliées. 1er janvier 2020. Le monde ou rien. Photographier l'après, ce qu'il reste de la nuit du Nouvel An. Depuis le début du projet, je photographie ce qui advient, se déroule, se déploie devant l'appareil photo. Le rythme humain est souvent très rapide, un flux d'action. 16 février, au téléphone, Jean-Pierre me décrit des scènes de guérilla urbaine, dans la nuit du samedi au dimanche. Des cailloux ont été lancés, des voitures brûlées, les vitres du Lidl brisées. 29 février, un samedi pluvieux, avec Jean-Pierre, nous passons dans l'épicerie de Nassereau, dans le sous-sol d'une des bars, rue de la Navigation. Je donne les 2 portraits à Sharaf. Sa réaction est spontanée. Ce sont des photos tueuses. Je le regarde sans rien dire. Il me répète alors, « Elle tue tes photos. » 10 mars 2020, l'imminence de la fin programmée s'accompagne d'une nostalgie de l'enfance. Ces photos sont sont une histoire de rencontre tout autant que la chronique d'une destruction en cours, le témoignage d'un lent délitement.
16 mai, je retourne dans le quartier. Malgré le printemps, le vent est presque glacial. Cécile, l'élue en charge du quartier, est présente. Nous traversons les rues désormais bien connues, rencontrant très peu de monde. Pour Cécile, la dimension humaine est sensible et primordiale. Ainsi, me dit-elle, la disparition du voisin est plus importante que celle des bâtiments. 3 juillet 2020. Longue conversation téléphonique avec Jean-Pierre après l'arrestation de 7 jeunes du quartier par le groupe de lutte contre l'économie souterraine et les stupéfiants. Pourtant, me dit-il, voilà ce qu'il me dit, the show must go on. Aujourd'hui, la totalité des immeubles sont détruits. Voilà, je voulais vous lire cet extrait, du coup, qui est un journal que je n'ai pas diffusé, et les personnes qui sont citées sont bien évidemment sur les photos, mais passer par la forme écrite me paraît peut-être un partage un petit peu de quelques éléments distillés sur les personnes photographiées. Et dans le livre aussi, c'était important de mettre les noms de toutes les personnes. Du coup, il y a les légendes avec tous les prénoms et les noms des rues, puisque finalement, les rues, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 4-5 rues. La rue de la Navigation qui fait un demi-cercle. Rue de la Ture, rue de Lille. Enfin voilà, nommer, c'était quelque chose de très important. Nommer les habitants, nommer les rues. Voilà. On peut, je sais pas, Corinne, si tu voulais rajouter quelque chose sur les photos de ce quartier. Je sais pas si le public est là, se rappelle. En fait, il y a Dominique Cabrera qui avait fait un travail qui s'appelle Chronique d'une banlieue ordinaire à la Courneuve. Et dans ce film, c'est aussi l'histoire de gens qui parlent de leur tour, qui sont qui sont délogés. La tour va être détruite. Debord, dans Mon art et mon temps, avait montré aussi ces images de tours détruites. Et Cabrera donne la parole à ces gens. Et il parle en fait de leur amour de cette tour. Et c'est la question de l'intime et du politique là. Et c'est vrai que la photographie évidemment n'a pas la parole, mais ce que dit Anne sur la question, c'était important de nommer les gens. Effectivement, quand on reçoit les photos, on reçoit la question de la figure anonyme, hein, mais en même temps, cet anonyme, dans la manière de faire portrait, il y a une manière aussi chez toi de lier une communauté, une famille, et on sent bien qu'il y a une façon aussi d'appartenir. Et cette façon d'appartenir, j'ai l'impression que c'est ce qui structure aussi ton travail. Mais appartenir, ça veut pas dire dans un sens. Appartenir, ça veut dire dans un sens de lier quelque chose et de faire éclore en fait ce qui n'est pas visible au premier coup d'œil. C'est pour ça que c'est important de revenir sur cette histoire, ce qui n'est pas visible au premier coup d'œil, parce qu'on se dit tiens, ces photos, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il s'y passe la vie quotidienne. Il n'y a pas de spectacle en fait. C'est pas du tout spectaculaire. C'est un ordinaire en fait, un ordinaire qui prend sens. Et je reviens à ce garçon là qui est en haut, qui est avec ses murs fermés, enfin ses fenêtres aveugles. Moi, je la trouve extrêmement puissante cette photographie parce qu'elle, à l'heure aujourd'hui où effectivement on est aussi dans des villes où ça devient de plus en plus difficile aussi d'habiter, parce qu'il y a des histoires évidemment on le sait tous, hein, de fric, de rentabilité. Habiter, en fait, c'est une question urgente parce que on peut pas non plus mettre plus que la moitié de son salaire. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en difficulté et reloger sans demander, sans écouter, parce que c'est aussi ça qui se passe. Ça, on le voit aussi dans le travail de Pedro Costa, qui est un cineaste qui a beaucoup travaillé sur les banlieues, Fontenas, où les gens sont relogés et de film en film, il montre en fait que ces gens, on leur demande pas, hein, et ils veulent pas
partir. Cette question de rester ici, c'est pas, c'est rester ici parce qu'il y a une histoire en fait, et cette histoire, on veut la continuer. Et c'est, on sait que si on part, cette histoire, elle va aussi se briser. Donc la photographie, elle est là aussi pour dire en fait que l'architecture, elle fait aussi travail de mémoire et travail de lien en fait. Voilà.